Julien Vauclair, match très difficile dans ce début de demi-finale ici à Bienne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je pense que la première moitié de match, c'était pas si terrible que ça. C'est clair, c'était pas notre meilleur match, mais on était dedans. Et puis je pense qu'après, en prenant deux pénalités coup sur coup, on a encaissé deux buts. Et puis après, on a couru un peu après le score, on a essayé de forcer. On est vraiment rentré dans le jeu que Bienne voulait. C'est une équipe qui est très forte offensivement, qui cherche les contres. Et puis c'est exactement ce que l'on leur a donné ce soir. Qu'est-ce qu'il faudra changer dans deux jours pour renverser cette tendance justement ? Justement ça, quoi. Justement, pas aller bêtement en attaque et puis essayer de forcer le jeu, même si on perd un but ou deux, le match il n'est pas perdu, il reste encore 30 minutes de jeu à jouer. Donc je pense que dans notre zone, défensivement, on n'était pas si mal, mais sur les contres, quand on a perdu les pucks, c'est là qu'ils sont forts, et puis c'est ça aujourd'hui qui nous a coûté le match. Il faudra donc jouer plus intelligemment, c'est ça que vous dites ? Exactement, oui. Je pense que, comme j'ai dit avant, ils attendent que ça, qu'on leur donne des contres, des 3 contre 2, des 3 contre 1, des surnombres, et puis il faudra absolument éviter ça. Je pense que à la fin, c'est un point. On ne commence pas le match jeudi à la maison à 7-3, ça recommence à 0. Donc on a perdu la première bataille, mais c'est loin d'être fini. Merci beaucoup, Julien Vauclair.